Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir la différence entre une boucle ouverte et boucle fermée pour les valves proportionnelles. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, les valves de régulation proportionnelle permettent de répondre aux applications hydrauliques les plus exigeantes. Les commandes proportionnelles apportent souplesse et précision par rapport aux commandes tout ou rien. On va retrouver trois types de valves. On aura les valves de débit, les valves de pression et les valves de direction. Donc les valves proportionnelles peuvent être à action directe, comme ce distributeur 4-3. Donc on va reconnaître le distributeur proportionnel grâce à la double barre ici sur le symbole et les bobines. On va retrouver une flèche qui traverse la bobine. Au niveau du limiteur de pression, bah c'est pareil, on va retrouver ici les doubles barres et une bobine électrique avec une flèche qui traverse la bobine. Donc la bobine va donner de la raideur au ressort. Les valves proportionnelles peuvent être également à action pilotée. C'est-à-dire qu'ici, c'est un distributeur qui va venir bouger un gros tiroir. Et ici, on a la tête pilote et puis l'étage puissance. Donc l'action pilotée se justifie dès l'instant où on a besoin de faire passer des gros débits. Les valves proportionnelles peuvent également avoir un capteur de recopie, donc pour connaître la position du tiroir. La recopie est également appelée rétroaction électrique. Donc les notions de boucle ouverte. Donc par exemple, ici, on va donner une consigne de 50%, 5 volts. La carte électronique va amplifier la consigne, va nous donner un signal de commande, par exemple 0,5 ampères. Le champ magnétique de la bobine est réduit et donc le distributeur se déplace progressivement ou proportionnellement au signal de commande. La vitesse du moteur est donc réduite. Par contre, la vitesse va rester aléatoire puisqu'elle n'est pas contrôlée. La vitesse du moteur peut varier en fonction de la charge, peut varier en fonction des fuites internes du moteur, peut varier également en fonction de la compressibilité de l'huile. Donc, étant donné qu'on ne va pas contrôler la vitesse directement du moteur, la boucle est dite ouverte. Donc, on peut faire un petit peu le parallèle avec la vitesse d'une voiture. Donc, le potentiomètre, ça sera la pédale accélérateur. Et puis, la sortie, ce sera la vitesse du véhicule. La position de la pédale d'accélérateur ne donne pas la vitesse de la voiture. La vitesse de la voiture peut varier en fonction du vent, de la pente, du revêtement de la route. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, tant qu'on ne va pas contrôler directement la vitesse du moteur, ce système va être appelé boucle ouverte. Donc, voici la représentation d'une boucle fermée, également appelée asservissement. Par exemple, si nous avons une consigne de 50%, soit 5 volts, la carte électronique va amplifier la consigne et délivrer un signal de commande de 0,5 ampères. Donc la bobine a un champ magnétique réduit, le distributeur se déplace progressivement ou proportionnellement au signal de commande et le moteur tourne à vitesse réduite. Ici, nous avons un capteur tachymétrique qui va vérifier la vitesse du moteur. Si la carte électronique constate un écart entre la vitesse du moteur et la consigne, la carte va corriger le signal de commande pour avoir la vitesse demandée. Donc on va vérifier la vitesse demandée et ajuster la vitesse du moteur si au besoin. Donc finalement, on va ajuster le signal de commande pour avoir la bonne vitesse en sortie. Donc la boucle fermée, on peut l'associer au régulateur de vitesse, par exemple, d'une voiture. Par exemple, on va sélectionner une vitesse de croisière. Donc ici, c'est la consigne, le potentiomètre. La carte électronique va donner un signal de commande au véhicule. Le véhicule est muni donc d'un capteur de vitesse. Et s'il y a un écart entre la vitesse du véhicule par rapport à la consigne, à la vitesse demandée, automatiquement la carte électronique, le calculateur va changer le signal de commande pour compenser les influences un petit peu externes, le vent, la pente ou le revêtement de la route. Donc voilà un petit peu la différence entre une boucle ouverte ou boucle fermée.
Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver mes autres prestations, formation, conseil, expertise en allant visiter le site internet. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.